Yann Moix revient avec son thème de prédilection, l'amour, dans son nouveau roman « Rompre ». Le chroniqueur, qui a souvent pris parti sur la question du terrorisme ou celle des migrants, explore ici les ressorts de la rupture sentimentale. Son héros met un terme à ses aventures tant il craint d'aimer et d'être aimé. C'est le journal d'un séducteur destructeur, d'un quinquagénaire qui doit bien peu s'aimer pour ne rechercher, dit-il, que des corps de 25 ans. Qu'y a-t-il dans la tête de Yann Moix ? Les réponses de Sybille Véron. Il y a dans ma tête en ce moment, dans mon esprit, essentiellement de la joie et du bien-être, ce qui est suffisamment rare, non pas pour que je m'en vante, mais pour que je le précise et que je le souligne. J'ai mis le mot roman sur la couverture, mais le personnage, c'est moi. C'est le seul filtre, le mot roman, qui restait à ma disposition pour me faire une sorte de petite protection par rapport au réel. Et le personnage de ce roman, c'est-à-dire moi, est un personnage qui tombe dans une tristesse insondable suite à une rupture sentimentale, car il considère, et c'est également mon cas, que rien n'est pire sur Terre que les ruptures, que la mort même est moins grave qu'une rupture sentimentale parce que les disparus sont disparus pour tout le monde, alors que la disparue sentimentale n'a disparu que pour vous et tout le monde peut y avoir accès, sauf vous. En France, Charles Péguy, qui est pour moi le plus grand écrivain français de tous les temps, et pour l'étranger, Witold Gombrowicz. Péguy a une œuvre irascible, colérique, capricieuse, immature. Quant à Gombrowicz, il a fait de l'immaturité le centre même de son œuvre. C'est toute son œuvre et toute sa vie, il s'est comporté vraiment comme un enfant de 12 ans. Je crois que c'est là que je suis le plus heureux, dans la contrée de ceux qui, du point de vue de la maturité ou de l'immaturité, sont mes frères jumeaux. Je trouve intéressant d'écouter de la musique contemporaine en période de chagrin parce que les musiciens comme Boulez, Penderecki, Stockhausen ne sont pas des grands sentimentaux. Ça peut casser la propension à la tristesse et aux larmes. Mais je crois que les grands jazzmen sont tous des gens qui nous font du bien dans les chagrins parce qu'on sent qu'ils souffrent plus que nous. Bill Evans restera un colosse fait de larmes. Je n'arriverai jamais à la cheville de leurs blessures. Et peut-être que c'est ça qui me réconforte quand je les écoute.